T'enchaînes bien pour le classique physique ou pas? Ouais. Accueillir par un comité d'accueil pour lui. Alors le chien de garde, David fait peur. Ouh putain. Oui, j'ai mis une vidéo. Regarde. Elle est contente. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Du chien? Regarde comme elle est musclée, elle, sans faire de sport. Elle est balèze, hein? Combien elle pèse? 13 kilos, je crois, comme ça. Pour un petit chien comme ça, c'est... Du chien de compète. Nourri comme il faut, entraîné comme il faut, ça dort 9 heures par nuit, regardez-moi ça. Ouais, c'est ça. Le petit truc avant le petit déj. Ouais, le apple cider vinegar. C'est ça. Ah ouais, d'entrée de jeu comme ça? D'entrée. Généralement, c'est quand je me lève. Là, je t'ai attendu, je me suis dit, tu peux pas manquer un truc pareil. Ok. Sachant que je me suis levé quand même à 6 heures pour vous passer en direct la dernière vidéo d'entraînement avec Meno. Si vous l'avez toujours pas vue, elle est juste ici. Donc je suis fatigué. Ah ouais, d'accord. C'est deux petits bouchons, hein. Et avec de l'eau, parce que okay. Si tu le bois direct, c'est pas bon du tout. C'est à la fois pour la digestion, et c'est à la fois pour la régulation de la glycémie. Ok, génial. Pour pas mal de trucs. Il y en a qui l'utilisent même pour se blanchir les dents. Ah ouais? Ouais. Bon, à la tienne. Ouais, je sais, c'est pas terrible. Hein. Ça va? Ouais. Bon, je vais peut-être pas te faire faire les abdos tout de suite, mais je le fais. Des fois, ça m'arrive de faire les abdos aussi le matin dès que je me lève. Alors, je vais pas te les faire faire dessus. C'est le secret de ta sangle abdominale. Ça, c'est la diète avant tout déjà. Ensuite, oui, les abdos effectivement. Et puis, un petit peu aussi de vacuum stomach. Tu le bosses? Ouais, presque quasiment tous les matins, ou du moins pour moi, okay. Une fois sur deux. Quoi. T'en as fait ce matin? Non, mais si tu veux, on peut le faire. Ah, je suis chaud. C'est vrai? Clairement. Ouais, c'est un truc là, que j'aimerais bien pratiquer un peu plus, c'est que j'ai pas fait depuis des années. Nevin en faisait pas mal, il fut un temps, je sais pas s'il le pratique encore. Je sais qu'on était venu pour prendre un petit déj, je m'emmerde. Ah, mais si on fait ça après le petit déj, c'est mort. Pour les gens qui savent pas ce que c'est un vacuum, pardon, c'est simplement pouvoir vider l'air qui est à l'intérieur des poumons en contractant ses abdos et en rentrant le transverse au maximum pour l'engager et pour travailler justement cette action du transverse qui permet de rentrer le ventre, de contracter les abdos et d'affiner la taille en rentrant et en remontant. T'essayes de le sentir comme ça? C'est ça. Ok. C'est pas évident au début, mais si je te fais pencher en avant, c'est parce que c'est plus simple pour ceux qui commencent. Faire, comme si tu le fais direct comme ça, tu fais le vacuum. Ok. C'est plus facile de commencer comme ça en fait, okay. Ou même complètement au sol, là tu souffles à fond. Là tu inspires ensuite sans inspirer en fait, je sais pas si tu vois. Tu fais combien? Tu fais genre 5 minutes? Ouais, je le fais 4-5 fois. Tu fais des cycles de respiration comme ça? Okay. Ouais, et après je le fais dur avec du coup les bras en haut, ouais. Tu sais, donc... Oh wow! Je sais pas si vous vous rendez compte de sa taille là. Combien tu pèses là? Tu peux pas parler. C'est un piège. 95. D'accord, ok. Donc vacuum avec une taille épaisse comme un petit dictionnaire à 95 kg, bon courage. Hein. Oh wow, c'est dur! C'est du training. Attends, et en classique en plus, il pose avec la cuisse comme ça, contractée. Oh là comme là, ça. Vraiment dur. Oh wow! Ah ouais, t'es
vraiment chaud. Putain, la Arnold à l'ancienne. Sauf qu'Arnold, il faisait ça pour cacher un peu le défaut du fait qu'il n'avait pas une sangle abdominale. Il n'avait pas une taille très fine. Et toi, quand t'es vraiment sec en condition de ouais, là, j'ai des abdos de malade. J'ai surtout un peu de gras derrière, donc c'est vrai que c'est, ça fait la taille moins fine. J'ai un peu de gras derrière, donc je vais pas me retourner. Hein, je vais faire toute la vidéo comme ça. Alors, nous sommes ici parce que le garçon qui est à côté de moi a des compétences très spéciales. Julien, moi, évidemment, je te connais et vous allez voir comment. Mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas, quelle est ta particularité? Particularité, ouais. Que je suis parti aux États-Unis il y a 10 ans maintenant pour réaliser un rêve un peu particulier, suivre les traces d'Arnold, okay. Avoir ma carte pro et FBB, le truc qui paraissait impossible. Et puis, à force de travail et de compète, j'ai enchaîné comme un taré pendant des années. J'ai finalement décroché cette fameuse carte pro. Et puis voilà, après, j'ai monté ma chaîne YouTube, etc. aussi il y a 5-6 ans maintenant. Et puis, voilà, petit à petit, écoute. Living the life, baby. C'est ça. Living the life. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va manger et s'entraîner et promener le chien peut-être comme un IFBB Pro, alias Julien Caligari. C'est le fun d'Arnold. Du coup, c'est au lentilles, millet, y a plein de graines en fait. Okay. T'as zéro sucre, zéro fat. C'est, okay. C'est bio. Et je regarde la composition, c'est un truc de fou, quoi. Chacun son assiette. Yes. Merci. Bon bah bienvenue à Miami où manifestement à 8h du mat, il faut prendre son petit déjeuner sur le balcon avec des lunettes de soleil. Je sais pas si vous vous rendez compte de la vue. On est au quoi, 22. Si vous avez le vertige, c'est pas le meilleur plan du monde. C'est absolument somptueux. Et mon petit déjeuner en tête à tête. Du coup, tu nous fais un petit détail de ce qu'on a. Ouais, alors on a deux. Tu prends ça tous les matins. Non, je varie souvent, okay. Justement, flexible moi aussi. Okay. Donc, okay. Mais c'est un de mes déj favoris, celui-là, okay. Ou alors les pancakes protéinés. C'est souvent ça, quoi. J'alterne généralement. D'accord. Mais là, on a deux pains Ezekiel, avec un avec du beurre de cacahuète, l'autre avec du miel. Okay. Là, on a quasiment 5 blancs d'œufs plus un œuf entier. D'accord. Donc voilà, on est pas mal, quoi. Bon app. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, avec Julien, on se connaît depuis pas mal d'années, genre 7 ans quasiment. 2014. Ouais, 2014. On s'est rencontrés quand je préparais ma première compétition de fitness, Musclemania, en 2014. Tout simplement parce que Julien et sa femme organisaient la compétition à laquelle j'ai concouru. Et on s'est recroisés à l'occasion sur des salons de temps en temps. Mais bah, comme ils habitent aux États-Unis depuis maintenant 10 ans, on n'a pas eu l'occasion de se revoir jusqu'à ce qu'on décide de venir faire un petit saut à Miami. On se dit, putain, mais c'est l'occasion rêvée pour pouvoir voir Julien, sa femme, et partager un moment avec eux. Et donc je me retrouve à bouffer des œufs et du pilaf de terre à 8h du mat. Histoire de rappeler aux gens qui t'auraient pas suivi en compétition sur ces quoi 20 dernières années, ça fait 20 ans que tu fais de la compète. Tu vois, t'es IFBB Pro maintenant. Avant, alors ma toute première compète c'était en 2004, c'était à la FFHM FAC à l'époque. Il n'y avait pas de men's physique, il n'y avait pas de classique physique, ça n'existait pas. Et du coup, il n'y avait que du bodybuilding. Ma première compète c'était en moins de 80. J'ai fait ça pendant une année jusqu'au championnat de France et tout ça. Et après, je me suis focalisé vraiment sur mes études. Donc Master Staps, etc. Tout ce qui est préparation physique, brevet d'état à CUMES et tout. Donc je suis coach à la base avant tout. À l'origine, t'es à l'origine coach. Voilà, ouais, coach, préparateur physique. Tu te connais en tant qu'athlète parce que t'es un athlète exceptionnel. Je suis ni athlète ni youtubeur en fait, mais avant tout ça, voilà, ça, c'est d'être coach. C'est ouais, ça, c'est ça. Sûr. Et puis après, quand les men's physique ont commencé à sortir, les catégories modèles et tout ça, que je voulais pas être un gros bodybuilder en fait, je voulais être plus athlétique. Et quand ces catégories sont sorties, j'ai concouru à Musclemania. Ma toute première compétition Musclemania, c'était à Miami, donc c'était ici. C'était en modèle. Et ensuite, j'avais enchaîné du coup modèle et men's physique à Paris, où là, j'ai eu ma carte pro d'abord Musclemania. Et ensuite, mon rêve ultime, ça a été d'avoir la carte pro IFBB, donc pour suivre les traces d'Arnold. Et du coup, j'ai concouru à la NPC ici. Et à l'époque,
l'époque, pour pouvoir décrocher ma carte pro, j'ai dû gagner 6 overall. Il fallait que j'en gagne 5, mais j'en ai gagné 6. Et ça, sur 2 ans, un peu moins de 2 ans. Du coup, j'ai dû concourir plus d'une dizaine de fois pour avoir cette carte pro. Mais en tout et pour tout, je pense que j'ai dû faire une bonne trentaine de compètes. C'est bon. Ouais, donc, tu es un vrai vétéran des compétitions, ouais. De bodybuilding au sens large, savoir main physique. Tu as fait du classique aussi, ta dernière toute dernière compète, c'était en classique physique en Italie, en pro. Là, c'était vraiment juste 2 ans après mon opération, histoire de finir la boucle, en fait. Ce que les gens savent pas trop, je crois, de toi, s'ils ne suivent pas depuis longtemps, c'est que tu as eu un gros souci de santé il y a quoi, 3 ans? Il y a 3 ans, je me suis fait opérer d'une hernie discale. Donc, c'est pas un accident comme certains peuvent le penser et tout ça. Donc, c'est quelque chose que je traîne depuis que je suis ado, en fait. C'est assez génétique parce que tout le monde a, en fait, on a tous le bassin plus ou moins décalé dans la famille. Et depuis l'âge de 16 ans, j'ai très mal. Tu vois, je peux pas, par exemple, m'asseoir en tailleur comme tout le monde et tout ça. De suite, ça me fait comme là, comme t'es là, je peux pas. Ça, tu peux pas? Non, c'est vrai. Et même depuis que je suis gamin, tu vois. Pourquoi? Parce que, genre, dans le lombaire, c'est plutôt tout en bas, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, si tu veux, après, à force de certainement de faire des compétitions, mes disques se sont déshydratés encore plus. Okay. Et du coup, il est arrivé qu'à un moment donné, je me bloquais tout le temps parce qu'en fait, ça pinçait le nerf et ça me faisait des décharges électriques. Et du coup, je pouvais rester 15 jours sans pouvoir bouger, tu vois. Okay. Donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de me faire opérer. Ça, c'était il y a 3 ans. L'opération en elle-même s'est bien passée, si tu veux. C'était une herniectomie, donc je t'avais expliqué, une intervention sous scanner. C'est assez ouf le processus d'ailleurs. Ouais, c'est quand même particulier. Et du coup, ça s'était bien passé, sauf que 2 jours après, je ressens une douleur hyper intense et je peux plus bouger. Et là, c'est direction les urgences, etc. Ouais. En gros, j'ai chopé une infection nosocomiale donc à l'hôpital. C'est une bactérie que tu chopes au bloc opératoire, tout simplement. Ouais. Ils l'ont pas découvert tout de suite et pendant un mois, je suis resté à l'hôpital sans savoir ce que j'avais en fait. Allongé sans pouvoir bouger, sous perfusion, sans pouvoir manger, sans pouvoir me tourner sur le côté, ni m'asseoir au bord du lit. Et donc ça, ensuite j'ai eu un corset en dur qui a été moulé donc sur mon bras et tout ça, que j'ai gardé pendant 5 mois. Je doute que les corsets de la grande surface conviennent, je pense pas. Non mais ceux-là en plus ils sont moulés sur mesure, celui-là je l'ai gardé 3-4 mois facile. Tu l'en fais quasiment pas, genre toute la journée dans un corset comme ça Ouais. Et puis forcément j'avais perdu entre 15 et 20 kilos, donc après, une fois que j'ai commencé à pouvoir remarcher à nouveau, ça a pris entre 6 mois et 1 an pour que je remarche normalement. Tu m'as montré ta vidéo leg day, le premier leg day qu'il a fait en sortant de l'hôpital, c'était simplement se lever du lit parce que tu t'étais pas levé depuis tellement longtemps que les jambes elles n'arrivaient plus à te porter. C'était que, en fait, juste de faire ça et de faire ça, pour moi, c'était un effort de toute la journée. Et après, j'allais me coucher, c'était un squat à 200 kg. Pourquoi on est là, du coup? Là, c'est mon petit. C'est donc ça s'appelle le Nubax. J'ai ça depuis pour essayer de m'étirer justement le bas du dos là où j'ai mal. Je le fais quelques secondes par jour. Tu vas voir, donc là, c'est adapté à moi ici. Okay. Et en fait, hop, c'est comme un peu une table d'inversion, sauf que tu es à genoux. D'accord. Et là, tu te décompresses les vertèbres et les disques. Comme ça, donc faut pas descendre trop bas. Okay. Et là, tu te relâches et là, ça tire bien. Tu vois, ça m'écarte les vertèbres en bas du dos. T'as une prothèse de disque en fait? Le disque que la bactérie t'a grignoté Non, j'ai plus de disque. T'as plus de disque? Non. En fait, je pense que mes vertèbres sont en train de se souder. Donc, j'ai quasiment plus de disque. Donc, j'ai plus une grosse mobilité. Et à l'entraînement, il y a des trucs que tu vas me montrer, je suppose. Justement, c'est pour ça que je voulais faire une séance d'eau avec toi aujourd'hui, pour te montrer comment je gère justement une séance d'eau et te montrer qu'on peut quand même aller à tout. T'arrives à entièrement adapter, faire une très bonne séance d'eau sans ressentir de douleur. Et tu verras, en étant très souvent le buste calé justement. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut quand même des bonnes machines et des bons appareils. Mais t'as ça dans ta salle. Mais dans ma salle, Elevation Fitness. Elevation Fitness, Miami. Yes. Bon, yes. Mes soldats, j'espère que vous êtes chaud. Leçon de vie, juste ici. Et ça, c'est la théorie. On va passer à la pratique. C'est parti. Bon, nous voici à la salle. Je crois qu'il faut que je me mette 1m50 devant Julien tellement il est énorme. En gros, on va vous offrir le meilleur du meilleur. Et Julien va nous emmener au travers d'une de ses séances typiques. Dos et bras. Dos biceps. Adapté aussi à mes blessures. Enfin, à mes blessures, disons à mon dos. Je ne prends plus aucun risque. Donc, je vais vous montrer justement des exercices que je fais régulièrement. Sans rowing, buste penché, sans soulever de terre. Tout ça, donc vraiment safe. J'espère que vous êtes chaud. Chopez du popcorn. Asseyez-vous confortablement. On est parti. Oh,
Dans un resto que Julien affectionne particulièrement qui s'appelle Natura Eatery. Natura Eatery, c'est Natura juste à côté de la salle. Eatery. C'est à juste pied. À côté, on est venu à pied pour optimiser notre nid. On est à peu près 300 mètres du magnifique parking avec des Lamborghini partout. Et on part sur un plat typique local. Je plaisante, mais c'est vraiment stylé. Une option très très cool si vous êtes en diète. Une pizza. La pâte est faite en riz chou-fleur, cauliflower rice et du riz brun. C'est un mix des deux. Un mix de chou-fleur et de riz brun, ouais. Donc elle est probablement, on n'a pas le compte des calories, dans certains restos ils les mettent, ici ils ne les mettent pas, mais elle est probablement très faible en calories et globalement un tout petit peu meilleure pour la ligne qu'une pizza classique. Alors, je prends pas tout le temps des pizzas, je prends souvent aussi du saumon avec quinoa. Ça avait l'air sympa voilà, comme tout. Voilà, ouais. C'est sympa, mais c'est vrai que j'aime bien après l'entraînement venir ici, c'est juste à côté. D'être flexible. Allez. Voilà. On attaque. Allez. Few moments later. C'est dur d'être un IFBB pro chien. One eternity later. Alors dans ce nouvel épisode de Top Chef, nous allons vous cuisiner des bananes à la banane. Nous sommes de retour avec Chef Julien dans sa cuisine, hein, qui est l'endroit où tu passes le plus de temps dans la maison, je parie. Il passe plus de temps devant son ordinateur à bosser que derrière les fourneaux à faire des petits plats. Mais comme la nutrition est quand même extrêmement importante pour devenir un champion, vous le savez, on va passer sur la préparation du goûter. Qu'est-ce que tu nous as réservé? Classique, la base. Je mange pas toujours la même chose. Michel, mais... que nous avez-vous réservé? Alors, de l'anguille. Qu'il est bien ce garçon. Et après, on l'appelle. Aïe, 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 oui. Il est fou. Donc, les flocons d'avoine, ça, bah, tu connais, hein, j'imagine. Deux sachets, donc un sachet, c'est à peu près 40 grammes. Et là, on va rajouter du lait de cajou, sans sucre ajouté, bien sûr. Magnifique, avec des cajous organiques. Ouais, somptueux. Bio. On va se faire une whey aussi pour ajouter les bonnes protes. Pro ou pas pro, hein, qui
se gavent de protéines toute la journée. Je les vois tout le temps avec leur Tupperware, avec leur dans ma salle. Il y a des mecs qui coachent et qui mangent leur Tupperware en même temps pendant tes flux. Pendant qu'ils coachent. Parce que le mec, il a super peur que ses muscles s'envolent, en fait, tu te rends compte. Non, mais sérieux, c'est que les mecs, ils ont tellement peur du catabolisme qu'ils sont obligés toutes les deux heures d'avoir leur Tupper avec leur poulet. Le brocoli avec leur riz et tout ça. Et au final, en plus, ils sont gras comme des cochons. S'ils avaient vu ma vidéo sur la fenêtre anabolique et comment l'optimiser de façon scientifique, ils sauraient. Si vous ne l'avez pas vu non plus, juste là. 346 minutes later. Nous sommes partis sur un petit dîner. Alors, normalement, vous cuisinez de temps en temps quand vous avez le temps. Mais là, comme on a passé l'après-midi à bosser et à échanger, à papoter, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, qu'on a quand même pas mal de trucs à se dire, on a décidé de commander un de vos favoris. Carotte Express. Elfie. Rapide, pratique. Ouais. Livré devant la porte de l'appart, au 22e étage. On fait ça, allez, deux fois par semaine, généralement, un truc comme ça. C'est toujours 40 Express. Ouais, parce que c'est le plus rapide, c'est assez... on aime bien, c'est vachement healthy. Classique, hein, saumon, riz brun, et puis là, tu avocat, pico des gaillots. Moi, j'ai un petit blanc de poulet au pesto sur son lit de purée de patates douces. Wow. Avec pareil, petit side de pico des gaillots qui est... Ça a l'air incroyable. Ah, mon coup. Ah ouais, c'est très très bon. Ouais, je pourrais manger ça tout le temps. Hein. Saumon, riz blanc. En vrai, en termes de répartition énergétique et de calories, tu pourrais probablement manger ça tout le temps. Elle vient de lâcher des barbecues. Ah, Boubou, t'es dégueulasse. Ouais, là, pour le coup. Bon, mais Somnor, cette vidéo s'achève. Skier en main, chien sur les pattes. Regarde, on dirait qu'elle va s'endormir sur le jeu. Ah bah là, elle est prête à dormir. Hein. Skier avec myrtille. Je vais te chanter une petite berceuse. Tu vas faire le meilleur des dodos anaboliques et demain tu travailles, t'es comme Julien. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai pris un immense plaisir à la tournée avec Julien. Merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir, dans ta merci vie, à toi. Dans ton quotidien, dans ton assiette et chez toi. C'était vraiment cool. J'aime beaucoup pouvoir prendre du temps pour découvrir le quotidien d'athlète d'exception comme c'est le cas de Julien. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je fais de plus en plus de vidéos genre 24 heures comme The Rock, comme Julien Cagliarini, parce que comme vous le voyez, ça permet de se mettre dans les pompes de quelqu'un qui réussit sa vie ou dans un domaine, le sport, l'entrepreneuriat. Il n'est pas impossible de réussir dans les deux. Julien en est un exemple criant. On a fait une deuxième vidéo sur la chaîne de Julien que je vous mets juste ici. Je vous encourage à aller la voir. Elle est tout aussi bien, voire peut-être même mieux. Le lien est juste ici. Qu'est-ce qu'on leur dit maintenant? On leur dit cliquez sur les pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne. Et clique. Allez, clique. Ouais. À 20 000 likes sous cette vidéo, elle donne les 4 pattes en même temps. C'est bien. Et mes soldats, je vous retrouve dans une prochaine et comme d'habitude, avec le sourire. Plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card dropping on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.